Encore un effondrement à Cocody. Mercredi 8 février, un immeuble R+4 en construction s'est affaissé dans le quartier d'Angré Djorgobité. Bilan, 8 blessés. Au moment où cette info rencontrait les pompiers sur place, ils tentaient de faire sortir 2 blessés des décombres. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, on a constaté effectivement que l'immeuble s'était effondré jusqu'au premier niveau. Le premier niveau a complètement cédé. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait le point des victimes. Au préalable, nous avons comme bilan provisoire 8 victimes. Les 8 victimes, il y a 2 qui sont actuellement sous les décombres parmi les 8. Il y a 3 que nous avons évacués au centre hospitalier universitaire de d'Angré. Et il y a 3 qui ont été évacués bien avant notre arrivée. Donc actuellement, c'est les 2 qui sont sous les décombres là que nous sommes en train de procéder à leur sauvetage. Alaga Konan est l'une des victimes de l'effondrement. Il nous raconte ce qu'il a subi. J'étais sur le bâtiment, premier niveau. Donc nous, on est en train de travailler. Et puis subitement, on a entendu boum. Boum. C'est le premier niveau qui est tombé sur les pieds. Donc j'étais dedans, mais je ne voyais pas clair. Je ne savais pas comment faire sortir. Donc je criais aussi. Il n'y avait personne autour de moi. Donc j'ai cherché sortir sans voir quelque chose. Donc c'est là j'ai sauté de l'autre côté et puis j'ai pris le clôture et suis sorti. La commune de Cocody comptabilise son 2e effondrement en l'espace de 3 jours. Le dernier en date s'est déroulé dans le quartier d'Angré, CGK.